observation dans quelle que soit élection qui a bien fait dans l'année 2021 pour nous gagner fixé sous yo parce que nous avons un problème dans le pays, a mauvais perdant, yo, c'est eux-mêmes. Bonjour, bonsoir, Fatih, et son magicien, gros salutation pour vous. Ça fait nous vraiment plaisir parce que vous regardez la vidéo nous et nous souhaitons que tout le monde en forme en bas grâce, bon Dieu, ou même tout qui regarde la vidéo nous pour la première fois. Gros salutation pour tout et nous souhaitons que vous en forme. Et puis, nous avons bloqué 11 jours quand c'est pour le travail là. C'est garder à droite, pèsez le bouton subscribe, bien abonné si le téléphone en français. Un petit cloche pour être retiré, sous personnalisé, mettez sous tout. Est-ce que vous mettez sous tout? Un petit cloche pour ces petits oreilles qui étaient là, ça veut dire YouTube à vous dire. Chaque clé nous mettez en nouveau vidéo. Nous pas fait pendant pile en entrer directement dans l'actualité. Président, nous allons maintenant procéder, Monsieur le Président de la République, sous votre permission, à la remise des ampliations des arrêtés. Nous appelons tout d'abord Madame la conseillère, Madame Marie-Rosemène Joseph Pierre. Monsieur le conseiller révérend Guy Romelus. Madame la conseillère Josette Massillon. Madame la conseillère Esperanza César. Monsieur le conseiller Patrick Numa. Monsieur le conseiller Antonio Détil. Monsieur le conseiller Louis Alex Noël. Madame la conseillère Guirlande Mésadieu. Madame la conseillère Nadia Jules Amédée. Voilà, merci Excellence. Les 9 membres ont reçu leur arrêté qui fait d'eux, dès à présent, des conseillers et conseillères à part entière du nouveau Conseil électoral provisoire. Haïti est définitivement sur la route des élections.
Et c'est Monsieur Numa, conseiller Numa, qui est conseiller et qui représentera le conseil électoral provisoire dans ces mots de circonstance cet après-midi. Monsieur Numa. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Madame la Première Dame, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Messieurs, Mesdames du corps diplomatique, chers conseillers et conseillères, Mesdames, Messieurs. Souffrez que nous adressons d'abord notre gratitude envers le président de la République d'avoir placé d'abord sa confiance en nous et nos organisations représentatives. Le devoir nous appelle tous, toutes, à œuvrer maintenant plus que jamais en vue d'édifier l'état de droit envers lequel nous rêvons tous pour léguer aux générations futures un pays où la convivialité et le bien-être collectif sont désormais les fondements de l'ordre social. Ce Conseil a vu le jour dans un contexte sociopolitique et économique difficile. Cela nous permet de comprendre les appréhensions de plus de secteurs. Elles sembleraient justifiées dans une mesure relative à une pratique électorale en Haïti. Mais toutefois, loin de vouloir être prétentieux, nous sommes plus que déterminés à dissiper le moindre doute pouvant constituer un obstacle à la participation de tous les secteurs. Nul n'ignore que cet idéal façonné des aspirations ancrées dans l'âme de notre bien, de notre vaillant peuple, ne saurait se concrétiser sans l'alternance caractéristique de la démocratie, de la conduite, de la bonne gouvernance. Réunis en ces instants significatifs et probants où il faut renouveler les mandataires de la nation, ce Conseil doit maintenir, à travers les tâches qui lui sont assignées, les institutions chargées de contribuer à l'avènement de l'ère nouvelle bénéfique à tous les fils de la patrie commune. Notre vocation n'admet pas d'équivoque. L'accomplissement de notre rude et combien noble mission viendra consolider les acquis régaliens en facilitant ainsi la mise en œuvre des politiques publiques indispensables au progrès espéré par tous les citoyens. Ce collège entend assumer dans la stricte indépendance la responsabilité de doter le pays des élus issus d'un scrutin loyal et encourage les jeunes et les femmes à comprendre l'enjeu que représente la tenue des élections impartiales dans la formulation
des stratégies visant la réduction des inégalités sociales pour un nouveau pacte républicain. Les nous parler, côté nous dit, pas un doute que le Conseil ça par une mission pour préparer l'élection, c'est que nous avons organisé une élection en transparence, qui rend honnête, crédible, démocratique, et c'est dans ce sens que nous n'avons pas de doute. Et côté que nous avons voyé tout en salutation et beaucoup de chapeau à toute organisation qui est intéressée dans les affaires élections. L'impalé, nos mêmes conseils-là, nous pas dans la question, nous avons toujours gardé l'impartialité, nous, mais ça concerne plus les partis politiques. Et je dis, nous prenons destiné conseil ça en main pour que neuf membres mettent tête ensemble pour travailler, pour avoir stabilité dans le pays. Main dans la main. Merci beaucoup. Merci, conseiller Numa. Les rails de la démocratie sont exigus, sinueux, chaotiques. Il faut du courage, de la détermination et de l'intelligence pour maintenir le pays sur la bonne voie. Toutes ces caractéristiques se retrouvent en un seul homme, un démocrate convaincu. L'homme, la vision, l'idée, la stratégie. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, que j'invite au micro. Merci, asseyez-vous. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le Président de la Banque nationale de crédit, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la Police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, distingués invités, Mesdames, Messieurs de la presse, tout d'abord, je tiens à remercier tous les secteurs qui ont compris l'urgente nécessité de se faire représenter au sein du Conseil électoral provisoire en vue d'apporter leur pierre à l'édifice qu'est la démocratie. Le Conseil électoral est un outil important de préservation de l'équilibre démocratique. Je suis donc heureux aujourd'hui de procéder à l'installation de ce Conseil électoral provisoire. C'est dans un contexte particulièrement difficile que vous avez pris la décision de servir la République. En acceptant de devenir membre de ce Conseil électoral, vous faites un acte de courage pour lequel la République vous sera éternellement reconnaissante. Je mesure l'ampleur des sacrifices liés à votre mission. Dans la conjoncture actuelle, votre tâche sera délicate et même périlleuse. D'autres l'ont fait avant vous. Vous le faites aujourd'hui et d'autres le feront après vous. Au moment où le discrédit
est jeté sur l'ensemble de la classe politique et sur nos institutions démocratiques. Vous devez vous attendre aussi à être calomnié et contesté. Il est normal que l'installation de ce conseil électoral suscite de nombreux débats et prises de positions diverses. S'il est un sujet à propos duquel tout le monde devrait pourtant s'accorder, c'est le besoin de stabilité dans le pays. Cette stabilité exige un engagement citoyen qui privilégie l'intérêt collectif au détriment des intérêts personnels et mesquins. J'aime souvent répéter que la stabilité politique est le premier des biens publics. Nous avons connu trop d'instabilité politique dans le pays. Ces événements sapent chaque fois les fondations de la démocratie et traînent leur lot d'insécurité, de misère et d'incertitude. Si nous voulons construire la démocratie, qui est le premier élément de cette stabilité, une démocratie qui se nourrit de la dynamique des relations entre la population et le pouvoir public, les élections restent la voie idéale. La démocratie exige que soient aux commandes des autorités légitimes, choisies par le peuple à travers des élections libres, crédibles, honnêtes, inclusives, démocratiques et transparentes. Mesdames, Messieurs, conseillères et conseillers, je sais que vous êtes tous et toutes impatients et impatientes de vous mettre au travail. Votre tâche ne sera pas facile. Vous avez la lourde mission de conduire le pays sur la voie du succès électoral. Je suis sûr que vous saurez vous montrer à la hauteur de la confiance de ceux qui vous ont confié la charge de les représenter au sein du Conseil électoral provisoire. Le devoir vous commande à être neutre, impartial et courageux dans les décisions que vous allez prendre. Vous ne serez pas exempt des velléités de plus d'un de vous corrompre et de tenter même de prendre des décisions à votre place. Aussi, je prends l'engagement solennel en présence de tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent, que l'exécutif ne va pas s'immiscer dans les décisions du Conseil électoral. La mission du CEP est clairement définie dans l'arrêté qui lui a donné naissance. Nous nous engageons à vous donner les moyens pour accomplir cette mission, qui consiste à permettre aux citoyens de participer librement aux décisions politiques par leur vote. Je demande au ministre de la Justice et aux autorités policières de garantir la sécurité de tous les membres du Conseil électoral provisoire. Nous avons choisi la démocratie comme mode de conduite. Elle a ses règles et ses principes que nous devons tous respecter. L'intolérance et le culte de la pensée unique violent ces règles et principes démocratiques. On ne peut pas promouvoir la démocratie dans l'intolérance, l'intimidation et la violence aveugle. Vouloir s'en prendre à des citoyens manifestant la volonté de mettre leurs compétences et leur savoir au service de leur pays est condamnable. Je demande donc aux autorités judiciaires de prendre acte de toutes les déclarations incendiaires et les menaces publiques proférées à l'endroit des membres du Conseil électoral sur les réseaux sociaux, par voie de presse et autres. Il est inacceptable de cautionner pareil comportement en 2020.
Haïti est membre fondateur de nombreuses organisations hémisphériques et planétaires. Aujourd'hui plus que jamais, le pays a besoin du soutien et de l'accompagnement de ses organisations et de ses pays amis afin d'arriver à la refondation de l'État haïtien à travers des réformes, quoique ambitieuses, mais nécessaires, pour ne pas dire indispensables au progrès, à la stabilité sociale, politique et économique du pays. Les forces sociales, politiques et économiques du pays et de la diaspora sont unanimes à reconnaître qu'Haïti, notre pays, a besoin de changements profonds pour redresser la barque de la nation. L'heure est grave. Les temps sont difficiles. L'horizon est embrumé. Pourtant, nous pouvons et nous devons convertir ces ondes négatives en ondes positives, en mettant de côté ce qui nous divise, en mettant l'emphase sur le peu qui nous unit. Peuple haïtien, frère Maxime, cap tandem ou bien cap gardem dans quatre coins pays dans la diaspora. Dans tout l'autre pays, il y a un problème d'instabilité, goumen yon ak lot, yo toujours consulté peuple là dans l'élection pour yo mande le sale pensée. C'est dans l'élection peuple a décidé qui moun li vle pour diriger. Les li pas satisfait de l'idée li yo, li pas voté. Et li pas vle pour moun sa yo. Parle nan nou li parce que li pas de bay au mandat. Qui donc? Meilleure façon pour un monde connaît qui sa peuple a pensé de où? C'est dans l'élection pour aller. Peuple a pas voyé personne, ni tout le monde dans non li, ni boule machine dans non li, ni faire monde paix dans non li, ni empêcher petit à l'école. Là nous choisi démocratie comme modèle pour fonctionnement société a. Nous choisissons tolérance, vivre ensemble. Nous choisissons élection. Moi, je dis ça plusieurs fois déjà. Pas de monde. Pas de groupe monde. Pas de parti politique qui a prétendu résoudre pour lui ma compte avec paquet de problèmes du pays d'Haïti accumulé depuis plus de 200 ans. L'est arrivé. Haïtien, haïtienne, frère Maxime, pour nous mettre un bout dans la machine instabilité sans frein ça, qui bouleverse la vie de chaque citoyen qui vit dans le pays. Nous n'avons pas qu'à continuer à assister au pays qui sont pour disparaître dans les mains. Elle sont pour disparaître dans les mains pour cause de division. Instabilité avec violence aveugle. Moment arrivé pour nous apprendre à vivre ensemble dans la paix, dans le respect l'un pour l'autre. Ça nous constate, côté nous aujourd'hui. Pas de l'autre mot pour décrire la réalité. Ça. Nous avançons à toute bouline. Sur le chaos, sur la catastrophe. Nous avançons sur la destruction de la nation. Et j'aime toujours dire, ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Une autre fois encore, je demande à nous tous, quel que soit à côté de nous camper sur le plan politique, social et économique, pour nous comprendre, il faut qu'il y ait un sacrifice qui fait pour le pays. Ça veut dire, il faut que nous joignions un consensus pour nous convertir tout ça qui divise nous en opportunité, qui permet de nous joindre une bonne entente pour mener le pays sous la route de réforme, tout bon vrai. Pas de porte qui ferme. Au contraire, c'est avancer, n'a pas avancé pour débroussailler la route. Là. Peuple haïtien, sème avec famille.
tout le monde dans la société civile, le secteur politique, le secteur économique, la diaspora, reconnaître et être d'accord que le pays a besoin de bon changement et de réforme qui va mettre le camp de droite. Moment difficile. Il fait en pile. Mais pas oublier. Si nous décidons de mettre tout ça qui divise nous sous côté, laisse ça. Il n'y a pas le fait clair. Mais pour l'immédiat, ça apparaît. Il faut que nous joignions un minimum d'accord sous des accords. Nous. Parce que nous ne sommes pas capables de retirer le pays à notre fond côté lié à, sans nous pas mettre toute force nous ensemble. Citoyens, citoyennes, groupes société civile, organisations politiques, religieuses et syndicales. Diaspora. Je demande nous tous pour nous engager dans la route du changement du pays. Haïti, c'est pour nous tous. Je demande pour chaque responsable public dans l'État pour prendre responsabilité. Je demande pour chaque citoyen, chaque citoyenne, pour défendre le droit, pour participer dans la politique du pays. Je demande pour la loi accompagner la vérité sans passe pour qui. Je demande pour Haïti prendre route et stabilité, la paix et le progrès. Parce que le pays nous tout réveille. Ce n'est pas dans la météo, on roche dans nous chaque que nous avons joué. C'est dans le monde, l'autre accolade que nous avons joué. Je dis, je crois que le pays a besoin de toute petite. Depuis que je suis monté dans ce pays, je ne peux pas comprendre comment les gens ou bien les secteurs dans le pays comprennent qu'il y a des gens qui sont plus passés l'autre, qu'il y a des secteurs qui sont plus gros passés l'autre. Je ne peux pas comprendre ça. Je comprends que tout haïtien, quel que soit côté où il vit, c'est le même droit et le même devoir que tout gagnent. Société à malade, trop hypocrisie, trop non-dit. Je dis à faut nous parler. Faut nous parler pour nous nous comprendre l'autre. Pour tout le monde, parler de quoi que héros indépendants ont sacrifié tête. Yo. Soldats qui ont bataillé dans la guerre de l'indépendance. Pour un groupe de monde qui comprend que c'est pour eux seuls. Bataille ça t'est faite. Bataille ça t'est faite pour tout le monde. Pour tout haïtien à la ronde badé. Que haïtien qui vient pour clair, que ça vient pour noir. Que haïtien qui vivent en dehors, que ça qui vivent la ville. Que haïtien qui vivent en diaspora, que ça qui vivent en Haïti. C'est pour tout le monde bataille ça t'est faite. C'est pour ça je dis. Chay qui sous dos conseil électoral là provisoire ça chay la loup en pile parce que son chay qui peut mettre pays à sous route changement tout bon vrai sous route réforme que nous rêver côté réforme côté tout le monde supposé là-dedans côté tout le monde à la ronde badé sans exclusion supposé là-dedans et pour le faire faut nous cachons à parler, faut nous cachons à attendre, parce que nous cachons à parler, mais si pas quelqu'un nous attendre, là pour un gros problème. Moment arrivé pour nous comprendre que changement total capital ça nous tout souhaiter, là possible et l'impossible. Comme premier mandat de nation, devoir c'est défendre régime démocratique. Que le peuple a choisi pour bien lui, pour sécurité petite lui. Ensemble, nous avons mené la bataille jusqu'à la victoire finale. Et victoire finale là, c'est victoire démocratie. Victoire finale là, pas doué pour un petit groupe monde. Victoire finale là, pas doué pour un seul monde. Victoire finale là, li doué pour tout le monde. C'est ça qui est important. Jodi a
que nous tous nous devons connaître. Depuis l'aime monter dans tête pays, pour y aller aujourd'hui, c'est ça m'a prêché et c'est pour lui ma bataille. Et c'est pour lui moi-même avec l'équipe, moi. Nous gourmets, moi-même avec le gouvernement qui a décision difficile qui prend, il y a des décisions qui font mal. Même à dire nous, ces décisions sérieuses, c'est qui bon pour les gens qui n'ont pas voix. Parce que si pas de bon genre de décision qui prend pour nous retirer le pays dans la pauvreté, dans la misère, dans la crasse côté de l'aujourd'hui, pour nous retirer Haïti dans le fait noir côté de l'aujourd'hui, si pas de bon genre de décision qui prend pour nous lumer tout le pays, parce que si nous voulons parler de développement, faut nous repérer qui est en vent. Ça veut dire bagaille qui vient en vent développement. Qui ça y est? C'est route, c'est de l'eau, c'est courant. Nous pas parler de développement sans nous pas planifier bagaille ça y est. Parce que si pour nous un bon hôpital, faut nous un bon courant pour ça l'opération fonctionner très bien. Si pour nous un bon genre université, bon école, faut tout système électrification pays a nous chita sous lui. Tout le monde comprend clair que c'est route ça nous devons prendre. Mais en pile monde, pour me pas dire un petit groupe monde comprend que rôle pa yo c'est barrer mission ça. Et son mission c'est lui moi même avec équipe moi nous choisir nous bailler tête nous pour nous capable mettre pays a sur route changement. Route développement, route démocratie. C'est pour ça aujourd'hui, moi décidé mettre conseil électoral là en place parce que moi connais sans démocratie, pas jamais gagner stabilité et si pas gagner stabilité, pas jamais gagner progrès. Et sans progrès, n'a toujours été dans la misère, n'a toujours été dans le sous-développement, n'a toujours été à la traîne de toute l'autre nation qui vient dans le monde là. Je remercie tout le monde à la Ronde Badè. Surtout, secteur qui choisit membre CEPE. Secteur qui choisit mettre jodi à camper gros outils. Je connais 9 secteurs. Ce sont gros décisions que nous prenons. Mais ça m'a dit aujourd'hui, nous avons participé à la construction. Pi gros parti démocratie, construction, réforme, construction, pluralisme politique, là. Construction, démocratie même. Ça veut dire, élection, c'est là pour le monde capable de dire si le peuple a voulu ou non. Bon côté. Il y a pile monde qui dit un pile bagaille. Mais pas oublier, parler. Faire gros discours, ce n'est pas la réalité. Je vous dis, c'est comment se préparer pour faire bon genre campagne, pour faire bon genre programme, pour le peuple. Pour le peuple comprendre nous, pour qu'il vienne remplacer, pour qu'il vienne sénateur, pour qu'il vienne député, pour qu'il vienne magistrat, pour qu'il vienne kazek. Pour qu'il vienne à Zek, pour qu'il vienne délégué ville. Mounsayo, qui est dans le conseil électoral là, il a un juge au bandé. C'est juge. Et ça m'a demandé, nous, dans le décret électoral, nous pour nous préparer, pas oublier ça. Travaille avec tout le monde qui connaît que le conseil électoral là, il y a des gens qui connaissent, qui sont capables de faire. Dans le niveau communauté internationale là, il y a un support que nous connaissons. Il y a des organismes qui toujours baillent. Il faut travailler pour que résultat élection, yo connaît quelques heures avant, après élection finie. Moi dis, moi victime de lui, je suis pas d'accord. On l'autre candidat victime de ça. C'est après quelques heures élection fin faite. Faut tout le monde qu'on tendance. Je dis résultat définitif. Tendance, vote yo. Même j'en fait dans tout le pays, faut résultat partiel élection yo, yo va lever demain matin. Élection,
11 gens, c'est même avec manger. L'aile couchée, résultat élection couchée. L'aile levée demain matin, 11 gens. Nous comprenons. Ça veut dire, bail résultat élection, bon Jean goût. Fait peuple la connaît, moun qui vote lio, moun li vote yo. Qui est-ce qui guette d'une manière partielle, gagne ou bien qui est-ce qui perd? Que bon Dieu, ben nous force pour nous mettre tête nous ensemble. Nous-mêmes, même conseil électoral. Là. Si mon conseil public, je vais vous dire, parlez tout le temps, parlez ensemble. Pas quitter personne, venir entrer dans le temps. Nous sommes 9 sœurs et frères. C'est un coup, son équipe football qui a des joueurs qui sont plusieurs côtés. Maintenant, nous avons un seul maillot, nous défendons une seule cause. Cause peuple haïtien. Nous comptons sur nous. Je crois que le secteur qui vaut nous, nous ne pas faire honte. Nous avons campé pour que le conseil électoral soit le meilleur conseil électoral qui passe dans l'histoire du pays pour aller vers le conseil électoral permanent que tout le monde rêve. Je crois que, dans le niveau exécutif, là, je nous dis, le gouvernement, le premier ministre qui a tout support que nous avons besoin. Je connais dans le budget 2020-2021, il y a l'argent qui là pour faire élection. Je connais que le support qui a demandé tout au niveau international pour nous capables, en termes d'observation, pour nous pile observation dans quelle que soit l'élection qui a bien faite dans l'année 2021 pour nous gagner fixé sur eux. Parce que nous avons un problème dans le pays, mauvais perdant, c'est eux-mêmes qui font plus de bruit. Que bon Dieu bénisse Haïti. Merci un peu.